Il reste pas mal de décisions à prendre pour Charles III avant son couronnement. Le roi doit notamment décider si son petit-fils le prince Louis sera présent, ou non, au sein de l'abbaye de Westminster le 6 mai prochain. Le compte à rebours a commencé. Dans moins d'un mois, Charles III va être couronné roi à l'abbaye de Westminster et son épouse Camilla Parker Bowles va être couronnée reine consort. Un événement historique auquel de nombreuses célébrités vont participer. Et un célèbre rappeur aimerait beaucoup recevoir son carton d'invitation. Évidemment, les époux ont mis tout en œuvre pour ce jour si important. Comme il est partisan d'une monarchie plus allégée, Charles III a décidé de raccourcir la durée du couronnement et de ne pas porter les nombreuses tenues protocolaires. À la place, il portera son costume militaire. Concernant la reine consort, Sa Majesté a choisi sa couronne et aurait décidé de faire l'impasse sur le célèbre sceptre en ivoire, par respect pour le prince William. Également, les différentes musiques ont déjà été choisies, tout comme le nom des membres de la famille royale qui apparaîtront sur le balcon du palais de Buckingham une fois le couronnement terminé. Seront présents auprès de Charles III et de Camilla, le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants George, Charlotte et Louis. Mais aussi la princesse Anne et son mari, le prince Edward et la princesse Sophie, le duc de Kent et sa sœur la princesse Alexandra, et enfin le duc et la duchesse de Gloucester. En revanche, pas de place pour le prince Harry et Meghan Markle, qui en avaient fait pourtant la demande auprès de l'institution. Louis, présent qu'au palais de Buckingham? Mais il se pourrait bien que la présence du prince Louis soit compromise à l'abbaye de Westminster. Le petit garçon de bientôt 5 ans est connu pour son tempérament de feu. Personne n'a pu passer à côté de ses grimaces à Kate Middleton pendant le jubilé d'Elizabeth II en juin 2022. Turbulent, le petit frère de George et Charlotte avait bien du mal à se canaliser, malgré les remontrances de sa maman. Selon le Daily Mail, Charles III préférerait certainement que son petit-fils reste au calme, avant qu'il rejoigne le reste de sa famille sur le balcon de Buckingham, comme prévu. Une place de star, pour un petit prince qui fait craquer tout le monde.